dont je vous. Shalom à tous. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me reçoit? Alors, est-ce qu'on peut inviter des frères et inviter des sœurs? Alors, est-ce qu'on peut partager le live pour ceux qui sont sur Facebook? Nous pouvons partager le live au maximum. Inviter un maximum de frères et de sœurs. Et si tu es sur Zoom, fais-moi l'honneur de prendre ton téléphone, aller dans ton WhatsApp, prendre le lien. Et d'inviter un maximum de personnes. Dis à ta maman, nous avons commencé. Dis à ton frère ou à ta sœur, nous avons déjà commencé. Dis à quelqu'un que nous avons déjà commencé. Je suis très content d'être là ce soir. Alors déjà, je m'excuse pour le désagrément d'hier. Hier, nous n'avons pas pu avoir notre rencontre d'hier pour certaines raisons un peu subites. Voilà. Mais par la grâce de Dieu, on se retrouvait le matin pour la prière. Et l'Éternel, pour ceux qui étaient là, a eu à nous faire énormément de bien. Nous sommes aujourd'hui le 23 janvier. Et il nous reste, si je ne m'abuse, je crois, 8 jours, 8 ou 10 jours maximum. Ceci pour dire que nous sommes à la fin et la Bible déclare que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ok, il nous reste 8 jours. Donc, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je crois que le Dieu des cieux nous fera énormément de bien. Alors, déjà, d'entrée de jeu, j'aimerais que tu dises à ton frère, attache la ceinture. Dis à ton frère, frangin, sorry, voisin, attache la ceinture. Dis-lui, voisin, attache la ceinture.
Nous sommes en train d'aller à la fin, alors attache ta ceinture. Dieu des esprits, des prophètes, nous te bénissons. J'aimerais que tu pries J'aimerais qu'on prie. J'aimerais que tu dises à Dieu, Père, parle-moi ce soir, touche-moi ce soir, ne me laisse pas sortir de là comme je suis rentré, transforme-moi ce soir. Impacte-moi ce soir. Est-ce qu'on peut activer nos micros et parler à Dieu? Est-ce que tu peux activer ton micro et le dire? Dis à Dieu, parle-moi ce soir. Prions le Seigneur. D'abord, merci. Donne-moi cette sagesse. Continue de parler, parle à ton Dieu. Toi pour nous donner ta force, Seigneur, viens encore nous entourer de tes armes. Viens encore nous laver de ton sang précieux. Dieu reprise à tout et ton feu nous entoure. Nous avons besoin de tout. Nous avons besoin de toi ce soir, Père éternel. Nous avons besoin de ta force. Ce premier mois de 2023. Nous avons besoin de ça, Père éternel. Oh Jésus, papa, viens encore, papa. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de la foi, Père éternel. Nous avons besoin de la sagesse, Père éternel. Oh, nous avons besoin de toi, ton papa, viens. Père éternel, nous avons besoin de ta connaissance, Père éternel.
Oh non, et encore, papa. Viens encore nous édifier. Père, viens égayer nos cœurs, Père éternel, que nous sortons de là remplis de joie, Père éternel, remplis d'enseignement, Père éternel, et que nous avons la joie, Père éternel. Jésus-Christ, amen. Père, Dieu de gloire, Esprit des prophètes, Dieu des esprits des prophètes, Père de tous les esprits, nous te bénissons et nous te célébrons. Nous te rendons toutes les actions de grâce. Merci pour ces moments. Merci pour ces temps. Merci pour la connaissance. Merci pour la sagesse. Merci pour ton toucher. Merci pour le changement. Merci pour les cœurs que tu apaises. Merci pour la paix. Merci pour ta présence. Thank you for your praises. Thank you for your praises. Thank you for your praises. Release right now your praises. We need right now your praises. Your mighty praises in this place. If you can't treat that as by your praise. Nous désirons ta présence. Nous désirons toucher ta présence. Nous désirons, mon Père, expérimenter ta présence. Donne-nous de vivre la puissance de ta parole. Donne-nous de toucher le tréfonds de ta parole. Saint-Esprit, emmène-nous à la parole pratiquée, la parole manifestée par la puissance. J'appelle au Dieu des esprits des prophètes. Je convoque la divinité ici présente dans le nom de Jésus. C'est par toi que nous pouvons faire ces choses et c'est en ton honneur que nous faisons ces choses. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Église, que Dieu vous bénisse. Et merci pour votre présence également. Pour ceux qui sont là depuis il y a quelques jours, conviendront avec moi que nous sommes sur une thématique particulière. Et depuis quelques jours, à l'instar d'hier, bien évidemment, nous avons parlé nous sommes en train de parler, je dirais, nous avons parlé temporairement sur la spiritualité des symboles. Est-ce que quelqu'un a été béni par ce message, la spiritualité des symboles? La spiritualité des symboles. J'espère que vous avez appris des choses nouvelles. Alors, ce soir, j'aimerais vous parler de notre grand thème qui est comment prier avec les psaumes ou la spiritualité des psaumes. Donc, j'aimerais que nous puissions entrer ici ce soir et je prie que le Dieu des esprits des prophètes nous ouvre l'esprit de Dieu. Nous ouvre notre esprit au travers de l'esprit de la connaissance. Alors, mes lectrices, j'ai besoin de votre aide. Je vois Cyrielle rapidement. J'aimerais que tu prennes deux ou trois textes. On va lire ici dans un premier temps et après, je vais couler selon que l'Esprit me fera. Daniel 6, verset 10, pour ceux qui prennent note. Daniel 6,
verset 10. Daniel 6, verset 10. Premier texte, Daniel 6, 10. Le deuxième texte, Éphésiens 6, 18. Je parle aux lectrices également. Troisième texte, 1 Timothée 2, verset 1. On va commencer par Daniel 6. Après, on va prendre 1 Timothée 2, 1. Et ensuite, on va prendre Éphésiens 6, 18. Est-ce qu'on peut aller? Vous êtes où rapidement? Daniel 6, verset 10. Les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes de direction. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Tu veux bien reprendre, s'il te plaît? Essaie de reprendre depuis le début. Daniel 6, à partir du verset 10, la Bible dit, lorsque Daniel 6 était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu. Il a commencé à faire ça. Quand il s'est rendu compte, je crois que le décret était, la prophétie était écrite, c'est ça? Ça va. Ok. On ne t'entend pas bien, essaie de trouver une solution par rapport à ça. Une autre personne, 1 Timothée 2, verset 1. Verset 1. Avant tout, je recommande ceci. Il faut faire des demandes à Dieu, le prier, le supplier et le remercier pour tous les êtres humains. Avant tout, je demande ceci. Il faut faire des prières à Dieu, le remercier, le prier. Il faut faire des ou les prière à Dieu. Je ne sais pas quel est l'article qui est, soit-il des ou c'est les. On dit c'est des prières. Des prières à Dieu. Des prières à Dieu. Tu peux prendre Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, verset 18. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Oh, priez sans cesse. Faites toutes vos prières par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs. Soyez bien attentifs. J'aime bien ça. Soyez bien attentifs. Et dit, faites toutes vos prières par l'Esprit Saint. Dans une autre version que j'aime bien, Louis II, on dit, faites toutes sortes de prières, je crois, et de supplications par l'Esprit. Tu veux bien reprendre ta version, s'il te plaît?
verset 18. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Faites toute prière. Ok. Priez sans cesse. Faites toutes vos prières. La suite. Et vos demandes par l'Esprit Saint. Et vos demandes par l'Esprit Saint. Donc ici, l'Épître aux Éphésiens nous crée une distinction entre les prières et les demandes. Entre les prières et les demandes. Et il dit, faites-les par l'Esprit Saint. Et il dit, faites toutes vos prières. Version 8 secondes, on dit, faites toutes sortes de prières et des supplications. Dans sa version, on dit, faites toutes vos prières. Ça donne référence ou ça ouvre, ça conduit notre esprit dans un sens. Un, il est possible que en Israël, étant donné qu'on est chez les Juifs, il y avait des sortes de prières. Hein? À peu près comme on a dans l'Église catholique. Il y a la prière de Dieu le Père, je vous salue Marie. Il est possible que quand Éphésiens dit, faites toutes les prières, il est possible qu'il fait allusion à certaines prières qui sont déjà connues, qu'il recommande de faire. Welcome, my brother. Thank you for your presence. May the Lord bless you. Il est possible qu'il fasse allusion à certaines prières connues déjà de la plupart, premièrement. Dans un autre sens, quand il dit « faites toutes les prières », il est possible qu'il parle des prières connues et des prières qui ne sont jamais monter à l'esprit de l'homme, que l'homme n'a jamais fait. Mais il fait toutes sortes de prières par l'esprit de Dieu. Pour les gens de la maison, c'est un texte que j'aime, dont je prends toujours le temps d'en parler. Ladies and gentlemen, it is. Ce soir, j'ai le désir de vous parler sur la spiritualité des psaumes. La spiritualité des psaumes. J'aimerais introduire ce soir parce que je me suis rendu compte dans les recherches que c'est une thématique très mystique en fait. Parce que dans les psaumes, il y a des parties, il y a des choses très mystiques à l'intérieur, malheureusement, que même les chrétiens n'ont pas compris, mais qui sont exploitées par d'autres personnes. S'il vous plaît, donnez-moi toute votre attention. Je vais me battre à mieux vous expliquer, à vous expliquer ce que j'ai dans mon esprit, afin que vous puissiez très bien comprendre. J'ai eu à parler sur la spiritualité des symboles et je vous ai expliqué l'importance de prier avec un chandelier. La représentation des sept lampes du chandelier. Je vous l'ai expliqué. Et je vous ai donné le parallèle avec le pourquoi les occultistes prient avec des bougies. Et je vous ai dit, ce n'est pas un péché, ce n'est pas une incantation. En Christ, la bougie est le symbole du chandelier. Donc, pour ceux qui ont des chandeliers, vous pouvez prier avec vos chandeliers. Pour ceux qui n'ont pas de chandelier, vous pouvez prier avec une bougie. Ça représente dans le règne de l'esprit un chandelier, parce que Dieu est un Dieu des symboles. Et le chandelier, le chandelier, dans le règne de l'esprit, fait partie des représentations physiques des esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Le chandelier fait partie des représentations physiques des esprits qui se tiennent devant le trône de Dieu. Vous devez comprendre encore, Église, que chaque entité spirituelle a une représentation sur la terre. Oui, non, oui. Le Saint-Esprit, on le représente comme l'eau. Christ est représenté comme... Le Saint-Esprit est représenté comme l'huile. Christ est représenté comme le sang. Le Père, Dieu le Père, comme on le dit, est représenté comme l'eau.
C'est ainsi que vous allez voir dans, je crois, 1 Jean chapitre 5. On dit les trois sont d'accord. On dit l'eau, l'huile et le vin. D'autre part, on dit l'eau, l'huile et le sang. D'autres versions, on dit l'eau, l'huile et le vin. On fait allusion au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, l'eau, c'est la représentation du Père. L'huile, c'est la représentation de l'Esprit. Oh, est-ce que ITS est là? Je suis en train de monter. Ah, et le vin, c'est où le sang, c'est la représentation du Christ. Ainsi, quand vous faites aussi des prières avec de l'eau, vous adressez au Père. Je dis, vous vous adressez au Père. Église, comprenez une fois pour toutes qu'il n'y a pas que des occultistes qui sont appelés à faire des prières au bord de mer. Nous, les chrétiens aussi, on peut le faire. La spiritualité ou les esprits dans le monde spirituel agissent sur la base de la connaissance. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez que les francs-maçons lisent la Bible. Est-ce que vous savez ça? Savez-vous que les francs-maçons lisent la Bible? D'accord. Savez-vous que les marabouts lisent la Bible? Bon, certains marabouts. Les vrais, ils lisent la Bible. Les ngangas lisent la Bible. D'autres lisent le Coran et la Bible. OK. Maintenant, je vous pose une question. Vous, est-ce que vous lisez la Bible? Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, je vous pose une autre question. Est-ce que c'est parce que un marabout lit la Bible, un franc-maçon lit la Bible, que ça veut dire qu'il est chrétien? Est-ce que ça fait de lui un chrétien? OK. Mais pourquoi lisent-ils la Bible? C'est parce qu'ils savent que les secrets qui sont à l'intérieur sont applicables pour tout le monde. Donc, la puissance qu'un chrétien peut tirer d'un psaume, un franc-maçon peut s'y tirer cette même puissance, mais l'orienter dans le côté négatif. Négatif. Ah, négatif. Vous m'entendez? C'est l'une des raisons pour lesquelles même les francs-maçons utilisent les psaumes. Pour ceux qui sont sur Google, à YouTube, allez-y taper sur YouTube. Mettez juste psaume. On va vous montrer beaucoup de psaumes. Psaume pour... J'arrive. Non, ce n'est pas parce qu'on utilise la même chose que ça veut dire qu'on est du même domaine. Non. Eux, ils lisent la Bible, nous, on lit la Bible, mais nous, on appartient à Christ, eux, ils sont dans notre secteur. Comprenez-moi très bien, Église. Ainsi, moi, en tant que chrétien, je peux me placer devant la mer, j'ai pris. Les entités qui se reconnaîtront en moi me répondront. Parce que tout part de l'identité. Est-ce que je parle à des esprits? Amen. 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 Tout est une question d'identité. Oui. C'est le genre de message qu'on n'aime pas prêcher dans les églises. Mais on est à ITS. J'ai un message que je vous réserve. Et je crois, j'ai discuté hier avec mon frère, le pasteur Firmin. Et... J'ai passé le culte dans son église hier. Oh, les amis, c'était dangereux. Ce qui va se faire en 2023, là, va être compliqué. Quand je suis parti, c'était extraordinaire. Il y a des personnes, je n'écoute pas tout le monde. Il y a des personnes, quand je veux me recharger, je les écoute. Et l'enseignement d'hier est un enseignement extraordinaire. Il a parlé sur régner. C'est mystique.
Et je le dis, ça, c'est une thématique. On doit faire ça en présentiel. Donc, pour ceux qui étaient au premier programme d'ITS en présentiel, je vous annonce, il y a un prochain présentiel qui arrive. Avec le thème, régner, c'est mystique. On va vous parler des codes. Et moi, je ne fais pas les programmes de 1 à 2 jours, 3 jours ou bien une semaine. Le Dieu des cieux nous fera du bien ici. Bien évidemment, nous penserons à vous qui êtes en live, qui êtes au Maroc, qui ne pouvez pas venir. Il y aura le live sur nos différentes plateformes. Le problème des chrétiens, c'est l'identité. Je vous parle sur la spiritualité des psaumes. Ainsi, dans mon introduction, je dis que nous avons parlé sur le chandelier. Donc, pour quelqu'un, un être spirituel qui prie avec sa bougie, il ne fait pas des choses occultes, non. Il est mystique et il connaît la loi des esprits. Là où il y a de l'eau, il y a des esprits. Là où il y a du vent, il y a des esprits. Là où il y a le feu, il y a des esprits. Là où il y a la terre, il y a des esprits. Parce qu'au commencement, il y eut 4 éléments. L'eau, la terre, le feu et l'air. Et à chacun de ces 4 éléments, il y a affecté une catégorie d'esprit. En d'autres termes, quelqu'un qui prie avec de l'eau, il s'adresse à une catégorie d'esprit. Quelqu'un qui prie avec une bougie s'adresse à une catégorie d'esprit. Mais Église, écoutez-moi bien. Dans toutes ces catégories d'esprit, il y a le bien, il y a le mal. Les esprits qui te répondent vont s'activer, 1, sur la base de ton identité, 2, sur la base des paroles que tu sors. En d'autres termes, l'intention. Les paroles qui sortent de ta bouche. En d'autres termes, l'intention. Donc, ça veut dire que quand je m'en vais, je prends mon chandelier, je prie. Because I am a child, parce que je suis un fils de Dieu, parce que j'ai Christ en moi, automatiquement, il y a activation d'esprit divin. Et j'ai dit à d'aucuns qui n'ont jamais prié avec un chandelier. Quand je dis chandelier, je parle de chandelier, je parle de bougie pour ceux qui n'ont pas de chandelier. J'ai dit ici, si vous n'avez jamais fait l'expérience, faites l'expérience. Je ne vous dis pas de prier la bougie ou de prier le chandelier, mais allumez cela et mettez-vous en train de prier ou en prière et vous verrez que l'atmosphère même sera étrange, sera bizarre, sera saturée dans votre pièce, l'atmosphère du ciel. Ainsi, Église, écoutez-moi très bien. Thank you, Holy Spirit. J'ouvre une parenthèse et je vous donne ça comme cadeau. Il y a des éléments qui constituent non seulement des représentations, mais aussi des portes parallèles qui permettent aux esprits de passer du monde spirituel au monde physique. Et ces éléments-là sont l'eau. Je vous prends un exemple. L'eau représente la vie. L'eau aussi peut être un moyen par lequel une entité quitte d'un monde invisible et passe dans le visible. J'ai toujours demandé ici, quelles sont les personnes qui sont déjà allées chez les marabouts? Avez-vous vu que l'eau manque chez les marabouts? Non. Soit on a l'eau sous forme de glace, soit on a l'eau dans une calebasse. Et pour my God, et il y a même certaines choses, quand on veut voir, on touche dans l'eau, on met du doigt, on touche un peu de l'eau, on secoue. Automatiquement, ça ouvre une porte, on peut voir la personne qu'on veut voir, ou on prononce le nom de la personne dans l'eau. Je vais vous montrer les choses, ITS. Je vais vous montrer les choses. Donc, je peux parler ici. Écoutez, dans le monde spirituel, l'eau est un élément absorbant. Les scientifiques ont montré et ont prouvé
Ils ont pris deux verres. Un verre dans lequel il y avait de l'eau, un autre dans lequel il y avait également de l'eau. Et ils ont parlé dans un seul verre. Ils ont dit des paroles positives. Dans l'autre verre, ils ont dit des paroles négatives. Ils se sont rendus compte, après un moment donné, que là où il y avait des paroles négatives, d'abord dans les deux verres, il y a eu un changement. L'eau absorbe la parole. Ainsi, BTS, je vous parle de la spiritualité. Ainsi, il est possible d'être dans n'importe quel pays, de prendre de l'eau. Est-ce que je dois dire ça? J'ai des enfants très curieux. Si je parle là, il y a d'aucuns qui vont aller tester. Déjà, une qui m'a dit, papa, est-ce qu'on peut invoquer l'ange de l'eau? J'ai compris que là, ici, c'est compliqué. Elle est partie à la douche, invoquer l'ange de l'eau. Ah! Oh, ma fille, tu as fait fort. Bon, on est à ITS, n'est-ce pas? Tape en commentaire, on est à ITS. Même si tu es aux États-Unis, la terre sur laquelle tu es né détient tes informations. Je vous explique, soyez patient. Donc, quand tu es né dans un village, tu es connu par la terre, tu es connu par la forêt, tu es connu par les eaux de cet environnement. N'avez-vous jamais vu des villages dans lesquels on dit les fils du village ne peuvent jamais se noyer dans les rivières du village? C'est quand les étrangers viennent qu'on interdit aux étrangers de se laver ou d'aller se laver seul. Pourquoi? Parce que les esprits du village connaissent les autochtones du village. C'est la même chose pour la terre, que ce soit dans un village, dans un pays ou bien même dans un continent. Écoutez-moi très bien. L'eau est un élément absorbant. Et l'eau est l'une des premières matières de l'univers. L'eau est une matière. Il est possible. Ah, vous allez comprendre les bains spirituels. Je vais vous expliquer. Quand on fait un bain spirituel, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas faire un bain spirituel sans parler à l'entité eau. Impossible. Qui dit bain spirituel dit activation des propriétés spirituelles de l'eau afin que celle-ci impacte sur le corps et l'esprit de la personne. Ainsi, un bain spirituel, ce sont des paroles physiques qu'on affecte à l'eau, ajoutées, activées avec affectées avec les esprits des eaux. Celles-ci ou ceux-ci vont activer les choses afin de déclencher un processus. Maintenant, je reviens dans mon exemple. Il est possible, et je vous le dis, si vous voulez tester. J'assume ce que je dis. Si vous voulez tester, vous verrez. Tu prends de l'eau. Oh my God. En fait, c'est dangereux ce que je veux dire. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je dois dire ça? C'est dangereux. Tu prends de l'eau. Je vous montre théorie pratique. Tu prends de l'eau. Tu mets de l'eau dans un verre ou dans une bassine.
dans un seau, quel que soit le récipient. Donc tu mets de l'eau à l'intérieur. Tout dépend de ce dont tu veux faire. Et Dieu, non, c'est dangereux. Hein? Hey, c'est dangereux. Ok. Non, c'est dangereux ce que je veux vous dire en fait. Maman Karine est concentrée. Ok. Regardez, je vais essayer de prendre un exemple. Prenons un exemple. Tu pries pour ton enfant. Comment ça? Tu pries pour ton enfant. Et tu te rends compte que tu as tellement prié pour l'enfant, c'est comme si tes prières n'avançaient pas. C'est simple. Tu prends de l'eau, que ce soit dans un récipient, soit pour qu'il boive, soit pour qu'il se lave avec. Tu parles à l'eau en citant son nom. Parle à l'eau en citant son nom. Et tu peux lui demander de boire. Si c'est du thé, je ne sais pas quoi. Si c'est un seau d'eau, de se laver. Tu fais ce genre de prière sur ton fils 7 jours. Tu verras que ce pourquoi tu priais longtemps va commencer à se manifester. Tu te rends compte que ton mari te fait des choses. Tu as longtemps prié. Refais, c'est-à-dire, je te donne une prière. Après la douche de ton mari. Donc tu lui apprêtes la douche. Non, chérie, je t'ai fait la douche dans un seau, une bassine. Et avant, tu parles avec le nom. De ton conjoint. Tu cites son nom et tu donnes des recommandations à l'eau. Oh, je déclare tel, 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 tel. Mundengue, Mundengue, Moussavou, Jean-Bernard, quand tu te laveras avec cette eau, je déclare que si tu as été envoûté, je te désenvoûte. Là où ton cœur a été embrigadé, je déclare par cette eau. Tu parles, tu finis. Si tu as du sel, tu mets 7 jours. Ce sont des choses que l'on fait régulièrement. Pour ceux qui sont déjà allés chez les marabouts, ils vous diront. Il y a certains marabouts, quand ils veulent localiser quelqu'un dans la ville, ils citent le nom de la personne. Ils mettent la photo de la personne dans une calebasse pleine d'eau. Et la personne apparaît. La personne apparaît dans la calebasse. Ainsi, tu peux être dans n'importe quelle ville, même si tu es en France. Tu cherches à impacter la vie de quelqu'un qui est dans n'importe quelle ville. Tu prends de l'eau. Tu parles avec son nom et tu verses sa terre. La prière va chercher la personne. Je vous ai dit, c'est dangereux. Et je me garde là, d'être là. Parce que si je rentre encore dans l'autre partie, ça va être compliqué. Pour ceux qui ont des esprits ouverts, elles ont tout compris de ce que j'étais en train de dire. Je vous parle de la spiritualité. Je vous parle de la spiritualité. Oh, Dieu d'ITS. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ainsi, il est possible de faire la même chose avec du feu. Mais le feu, il y a un peu les différences. Parce que
l'entité haut est un peu est plus doux que l'entité feu. Les anges qui travaillent avec les eaux n'ont pas, les anges des eaux, tant pour moi, n'ont pas les, le même tempérament que les anges de feu. Donc, l'entité feu, c'est autre chose. Mais j'essaie de... Revenons sur mon message, sur notre message. Je vous parle, en fait, sur la spiritualité des psaumes. La spiritualité des psaumes. Tout ce que j'ai dit est très important. Je veux que vous fixez votre attention sur le chandelier, qui est un élément utilisé tant chez les chrétiens que chez les païens. Les chrétiens prient avec des bougies, les païens prient aussi avec les satanistes prient aussi avec les bougies. Et il y a d'autres qui font des représentations. Un jour, je vais vous enseigner sur la spiritualité du cercle et du triangle. Pourquoi des rosicriciens invitent le triangle et le cercle? Qu'est-ce que ça représente? Oh, je vais vous délivrer de l'ignorance ici. Je vais vous délivrer de l'ignorance. Pourquoi il y a certains dessins? C'est biblique. Et je vais vous montrer des textes. C'est biblique. La Bible déclare que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et qu'il voulait s'installer, Dieu avait donné des recommandations. Et Dieu leur avait dit, telle tribu, tu vas t'installer à telle, au nord-ouest, l'autre au midi, l'autre à l'occident, l'autre... Dieu avait donné une position. Et selon la loi des lignes ou la loi des liaisons, les positions que Dieu avait données là, quand on reliait entre les tribus, ça donnait des triangles et dans le tout faisait une étoile. Oui. C'est l'une des raisons pour lesquelles, sur le drapeau d'Israël, si vous remarquez bien, c'est comme des étoiles. On a comme une étoile. Grosse étoile, c'est comme des triangles, deux ou trois triangles, et qui fait des étoiles. C'est sur les coins de ces rencontres-là que les 12 tribus étaient positionnées. Donc la rencontre faisait des étoiles. Ça créait une étoile. C'est de là que les satanistes se sont inspirés sur la loi du cercle et du triangle. Est-ce que tu es là? Tu as longtemps dit le cercle là c'est diabolique, ça c'est les rosicriciens. C'est vrai, parce qu'il n'y a que eux, il n'y a qu'à eux que tu vois faire ces choses. Mais si on te montre que ça existe dans la Bible, tu seras choqué. C'est biblique. Dieu, je dois enseigner sur les psaumes, Seigneur. C'est biblique. Mets la main sur la tête et répète après moi, je brise et j'anéantis toute forme d'ignorance au nom de Jésus. Déclare, je brise et j'anéantis toute forme d'ignorance au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Va chasser les esprits d'ignorance ici. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes dans la lecture de toute la Bible. Et aujourd'hui, nous avons lu deux textes, je crois, Exode 7 et Exode 8. Si tu n'es pas avec nous, il y a le groupe de lecture de la Bible et il y a le groupe de l'Église. Si tu es une nouvelle personne, tu veux faire partie de la communauté d'ITS, écris le numéro secrétarial et dit, je veux être dans le groupe de l'Église. On va te mettre dans le groupe de l'Église, te mettre dans le groupe de lecture biblique. Et chaque matin, il y a des textes de lecture qui sont envoyés. C'est important de lire la Bible. Maintenant, je rentre en profondeur. Vous allez vous rendre compte que les psaumes
ont une valeur hautement spirituelle. Toute la Bible est spirituelle, mais les psaumes sont hautement mystiques. Pourquoi je le dis? Parce que les psaumes, bibliquement, et selon aussi la tradition juive, les psaumes ont été inspirés à David, sont des prières inspirées à David. Ce sont des paroles que Dieu a mises dans la bouche de David. Les psaumes. D'où même dans la culture juive, les juifs accordent une importance particulière aux psaumes. Et ils ont des prières qu'ils récitent. Je vais vous parler de ça. Ils ont des prières qu'ils récitent. Ils ont des psaumes qu'ils récitent. La culture islamique sort de la culture juive. Et quand vous voyez les juifs, ils éduquent leurs enfants sur la base des textes bibliques. Église, écoutez. Ici, j'ai ce qu'on appelle un talit. C'est un châle de prière. Mais chez les juifs, ils n'ont pas qu'un talit. Il y a plusieurs talits sous différents noms. Il y a des talits qui sont des vêtements, tant pour les hommes, tant pour les grands que les enfants. Et des talits que l'on porte sous des chemises. Et ça a des significations hautement mystiques. Oui, il y a des talits qui sont des vêtements. On les porte pour certaines cérémonies. Il y a aussi ce qu'on appelle des... Il y a des chapeaux là que l'on met, que l'on voit dans la culture musulmane. Mais elles viennent de la culture juive. Comment on appelle ça? Des petits chapeaux là. Ça a des significations, ça a une importance spirituelle. Ce n'est pas juste pour être mis. Non, ce n'est pas le buzz. Il y a une importance. Sur le talit, il y a ce qu'on appelle des titites. C'est ça. Ces tresses que vous voyez là représentent les lois et les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Je crois les lois, les promesses de Dieu. Ça a une représentation. Donc, une personne qui prie avec un talit et qui tient ces choses-là, il sait ou elle sait ce qu'elle compte. Oui. Donc, pendant que moi je prie, je lève ça au ciel. Je ne lève pas ça pour lever. Dans mon esprit, je sais que je suis en train de dire à Dieu, souviens-toi de tes promesses. Parce que ça signifie les promesses de Dieu. Donc, si tu es charnel, tu vas penser, mais attends, le prophète, il aime tout le temps les talits, il aime tout le temps. Pourquoi il aime tout le temps attraper les choses? C'est spirituel, c'est mystique. C'est mystique. C'est pas juste comme ça. Et il vous faut acheter vos talits. Maintenant, quand on rentre dans les psaumes, il y a ce qu'on appelle des télilim, je crois, ou des tétim. Demain, je vous donnerai l'expression adéquate par rapport à ça. Autrement dit, psaume de David. Dans les psaumes, il y a des psaumes spécifiques pour certaines choses. Les psaumes sont des prières qui ont des énergies. Écoutez-moi très bien. Je vais employer des expressions autres. Des psaumes sont des prières qui ont des énergies. Des psaumes sont des prières qui détiennent des énergies. Ces énergies-là peuvent être activées ou stimulées, tant positivement ou négativement. Tout dépend de qui l'utilise. Même si c'est dans la Bible et c'est de Dieu. Si un franc-maçon prend un psaume et il prend, par exemple, un psaume d'invocation et il invoque des esprits ou des anges, c'est ainsi que dans les psaumes, on retrouve les psaumes de purification. Ouais. Et des psaumes de purification. Et des psaumes de délivrance. Et des psaumes
d'invocation. Il y a des psaumes de... Il y a plusieurs sortes de psaumes, de guérison. Il y a des psaumes pour activer la voyance. Il y a des psaumes pour activer la richesse. Et je vais vous montrer ça demain ou après-demain. Il y a des psaumes pour activer la richesse. Et il y a des psaumes pour attirer l'argent. Dans les psaumes, il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Même pour chasser les maris de nuit. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'on lit une Bible dont on ne maîtrise même pas. Il y a des psaumes pour le mariage. Si vous êtes célibataire, je vais vous donner ça demain. Oui. Oui. Et les psaumes de protection. Papa, tout le jeu d'or. J'ai pris, mais ça ne marche pas. J'ai pris, mais ça ne marche pas. Écoute, prends les psaumes et fais avec les psaumes ce qu'on appelle des prières imprécatoires. J'aimerais qu'on lise un texte et je vais chuter ici. Je vais descendre. Jérémie 33, verset 3. Allons-y. Jérémie 33, verset 3. On va lire Jérémie 33, verset 3. On va lire Psaume 145, verset 18. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Oui. Vas-y, vas-y. David dit, invoque-moi et je te reprendrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Il est écrit, invoque-moi et je vous répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Psaume 145, verset 18. Psaume 145, verset 18. L'Éternel est proche de ceux qu'il appelle, que tous ceux qui sont sincères, qu'ils font appel à lui. L'Éternel est proche de ceux qu'il appelle, de tous ceux qui sont sincères. J'aimerais que tu prennes cette version dans la version lui suivante, s'il te plaît. Ce texte, pendant que l'autre se prépare dans Ésaïe 55, verset 6. Vous avez dit le psaume 145 à partir du verset 18. Verset 18. David dit, l'Éternel est de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ma fille, reprends un peu. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Ésaïe 55, 6 à 7. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Verset 7. Okay. Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite. Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes. Tous doivent revenir vers le Seigneur. Reviens au verset 6. Juste le verset 6. Verset 6. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Dans sa version, on dit « faites appel à lui ». Dans la version 8 secondes, on dit « invoquez-le ». L'invocation, c'est le fait de faire appel. Acte 2, verset 21.
Acte 2, 21, et le dernier texte, c'est Jérémie 29, 12. On prend Acte 2, 21, après on prend Jérémie 29, 12. Acte 2, verset 21. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Dans la version 8 secondes, on dit, alors tous ceux qui invoqueront le Seigneur seront sauvés. Jérémie 20, 29. Jérémie 29, verset 12. Et la parole de Dieu dans Jérémie 29, à partir du verset 12, la Bible dit, vous m'invoquez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Attendez, ici j'aime bien. Vous m'invoquez. Et vous m'invoquerez, je crois. Et vous partirez. Vous prierez. Oui, et vous partirez. Vous prierez. Vous me prierez et vous exaucerez. Et je vous exaucerai. Ce texte parle de invoquer et prier. Donc, ça veut dire ici qu'il y a une nuance entre les deux. Nelly, tu veux bien prendre dans ta version rapidement? Verset 12. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier et je vous écouterai. Vous ferez appel à moi, vous viendrez me prier. Écoutez-moi très bien. Celui qui prie va vers Dieu. Celui qui invoque appelle Dieu vers lui ou emmène Dieu vers lui. Kamalados okemble de guerre. Andegia radadum de glèche. Est-ce que il tient cela? Il y a une différence entre l'invocation et la prière. Comprenez ça. J'invoque. Il y a une différence entre l'invocation et la prière. Celui qui prie va vers Dieu. Celui qui invoque Dieu appelle Dieu vers lui. Celui qui prie effectue le déplacement de lui vers Dieu. Celui qui invoque amène Dieu à se déplacer de Dieu vers lui. Oh, this is very powerful. Un Dieu dit, et tu ne peux pas. Il faut apprendre l'anglais. Je vais prêcher en anglais ici un jour. L'invocation n'est pas qu'une prière. L'invocation est le genre de prière qui est accompagnée avec des actions. L'invocation est différente des actions prophétiques. Mais l'invocation, ce sont des prières que l'on fait par répétition. Deuxièmement, ce sont des prières que l'on fait, que l'on pose avec des sacrifices. Qui veut invoquer doit sacrifier. Je ne parle pas. Assemblée des clients. Soukla d'abaza taradabaya. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi plusieurs personnes prient? Papa, je veux voir ta gloire. Papa, je veux voir ta gloire. Et ils ne voient pas Dieu. Quand la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez avec un cœur sincère. Ça, c'est la prière. Là, on parle de chercher moi, c'est la prière. Parce que là, c'est nous qui allons vers Dieu. Mais là, on dit invoquez-moi. Ce n'est pas seulement une simple prière. Ce n'est pas juste la prière. Dans l'invocation, on ne fait pas trop d'efforts.
C'est dans la prière où on s'égocie, parce que là-bas, on cherche Dieu. Dans l'invocation, on amène Dieu à se révéler à nous. Et les psaumes sont l'un des moyens par lesquels on peut invoquer Dieu. J'ai envie de dire quelque chose. Je suis en train de chuter, hein. On a terminé. Église, comprenez-moi très bien. Marie, rapidement, va sur Internet, tu vas sur Google, tu tapes incantation, incantation, dans Wikipédia, tu tapes incantation. Tu vas nous définir ce que c'est incantation. Pour ceux qui sont déjà allés, qui ont eu des gens qui sont dans l'occultisme, les francs-maçons, les marabouts, ils ont des paroles qu'ils murmurent à chaque fois qu'ils font des rituels. Et nous, on dit, ils font des incantations. L'incantation, c'est quoi? Une incantation, quelqu'un a mis ici, c'est une parole, formule magique, pour opérer un charme, un sortilège, un enchantement. Une incantation est une formule magique. Et Dieu a interdit ça dans Deutéronome. Il a interdit les incantations et tout. J'aime ça. L'incantation est la composante orale d'un acte surnaturel. On dit la composante orale. Oh, this is powerful. Donc, ça veut dire une action surnaturelle à deux parties. Il y a une composante physique, matérielle, et une composante orale. Dans l'invocation. My God. J'ai lu d'abord. Ma fille Marie a dit... D'accord, c'est bon, on va se limiter ici. Merci, que Dieu vous bénisse. Dans le vocabulaire de la magie et du chamanisme, l'incantation est la composante orale d'un acte surnaturel. Le magicien ou le chaman prononce des paroles magiques qui vont l'aider à transgresser les lois de la réalité. Dans le chamanisme, les incantations font souvent référence à la mythologie. Seigneur, donne-moi la sagesse de dire ces choses. Donne-moi la sagesse de dire ces choses. Que Dieu me donne la sagesse de vous dire ces choses. Je ne vous demande pas ici de faire les incantations, hein? Non. Les incantations ne sont pas bibliques, c'est diabolique. Celui qui incante s'adresse aux esprits ou, comme l'a dit, à la mythologie. Mais vous devez comprendre, en Christ Jésus, il y a aussi ça, mais on n'appelle pas ça incantation. Ça existe dans l'invocation. Vous devez comprendre, ITS, que s'il y a une formule chimique qui nous permet, par exemple, on sait en chimie, je veux perdre certaines personnes ici, mais comprenez-moi, on sait en chimie que si on additionne, selon la loi de, si je ne me trompe pas, Avogadro, si je ne me trompe pas, à moins que je me trompe, mais en tout cas d'un grand scientifique, il est dit, l'addition de H, donc hydrogène, dioxyde d'hydrogène ou l'atome d'hydrogène, plus oxygène, donc O2, ça donne H2O. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, qu'est-ce que j'ai dit?
H2O. H2O, oui. Du dioxygène. Donc, hydrogène plus dioxygène, donc O élevé au carré, ça donne H2O. Donc, H2O, qui est de l'eau qu'on boit, est composé de l'hydrogène et du dioxygène. C'est une formule que la chimie a établie. C'est une formule. Aussi, quand on parle d'invocation, il y a une formule à respecter. L'invocation, il y a une formule à respecter. Il y a un processus à respecter. Il y a certaines invocations qui exigent des sacrifices. Il y a certaines qu'on peut faire de manière orale. Et dans les psaumes, il y a cette énergie divine qui se manifeste quand on prie avec les psaumes. Et cette énergie divine nous permet de rentrer en contact avec le divin et d'avoir un exaucement via une invocation de ce sur quoi on priait ou qu'on désirait. Et écoutez-moi très bien. Les psaumes ne sont pas des prières que l'on fait seulement de manière hasardeuse ou folklorique. Ce sont des prières qui se font avec insistance et répétition. C'est confus. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça passe très bien? Soyez libre de me le dire. Il y a trop d'informations ou ça va? Réma ici fait on dirait ça va pas. Bah, quelqu'un a dit c'est un peu lourd. Les psaumes détiennent une énergie, je l'ai dit. Ce qui fait la force des psaumes, c'est parce que ce sont des prières exaucées, premièrement. N'oubliez pas une chose, il est écrit, je crois dans psaume 105, si je ne m'abuse, il est écrit, ma parole ne revient pas à moi sans pour autant accomplir ce pourquoi elle est partie. Ma parole, premièrement, c'est écrit dans la Bible, dans le psaume 105, il est écrit que les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu. Donc, ça veut dire, si les psaumes sont des prières que Dieu a inspirées à David, ça voudrait dire que les psaumes constituent la parole de Dieu auquel les anges ont mandat d'obéir. Donc, celui qui prie avec les psaumes prie avec la parole révélée de Dieu. Ah, ça veut dire la propre parole qui est sortie de la bouche de Dieu, mais que tu répètes. Donc, quand tu pries avec ces psaumes, les anges n'ont pas le choix que d'obéir. Là, je crois qu'on m'a compris ici. Est-ce qu'on m'a mieux compris ici? Parce que tu répètes les paroles que Dieu a mises dans un homme. Tu t'appropries ces paroles jusqu'à ce qu'elles deviennent
tienne. Et à ce moment, tu entres dans un état où tu actives les énergies. Ah. Oh, qui parle d'énergie, parle d'esprit. En d'autres termes, les anges vont se rendre compte que tu as atteint une dimension. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Ok, je parle. Tu as atteint une dimension transcendantale où tu as quitté ton. C'est-à-dire, ah, je me bats avec les mots pour ne pas choquer les gens ici. Tu es monté en esprit. Et ton esprit, l'esprit de Dieu ne font qu'un. Et la parole que tu récites s'est inscrite en toi. Et automatiquement, elle crée le miracle ou elle crée la guérison. Ok. Est-ce que ici on m'a compris? Amen. 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 Vous le vouliez ou pas, la puissance qui sort de tes prières n'est pas égale à la puissance des prières inspirées de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. D'où apprenez à prier les psaumes, à chanter les psaumes, à déclarer les psaumes, réciter ça. Est-ce que vous savez que chez les Juifs, Il bûche ça. Ouais, ma langue. Il bûche ça. Je crois, si je ne m'abuse, chez les, dans la culture juive, à un certain âge, je crois dès 5 ou 7 ans, 12 ans, tu pars dans une école où on t'apprend la culture, l'histoire, la tradition, tout ça juif, au point où tu es capable de réciter même la Torah. Qui dit Torah dit les 5 livres, donc Genèse, Deutéronome. Il y a des gens chez les Juifs, ils récitent ça. Sans la Bible, ils te récitent ça, de Genèse chapitre 1, jusqu'à ils récitent ça. Donc là, je parle à quelqu'un qui dit déjà c'est impossible. Il y a d'autres qui le font. Donc, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 3, il eut le péché. Genèse chapitre 4, Abel a tué. Ah. Genèse chapitre 5, appel de Noé. Genèse chapitre 6, les anges qui descendent. Genèse chapitre 7, déluge. Genèse chapitre 8, Noé et le Genèse chapitre 9. Genèse chapitre 11, généalogie. Genèse chapitre 12, appel d'Abraham. Genèse chapitre. Il récite. Genèse chapitre 22, naissance d'Isaac. Genèse chapitre 24, naissance de Jacob. Genèse chapitre 28, Jacob qui voit les anges, l'échelle. Genèse chapitre. Il te récite ça comme ça, de A à Z, texte par texte. C'est ce qui fait en sorte qu'il soit enraciné dans ce dont il croit. Je finis en disant, retiens, je veux que tu retiennes de tout ce que j'ai eu à te dire, que les psaumes ont une puissance hautement spirituelle, mais aussi que la parole que tu as a une puissance, ta parole. Apprends à prier les psaumes. Apprends à déclarer des psaumes. Apprends à lire les psaumes. Je vous donne un exercice spirituel. J'en ai donné un tout à l'heure avec de l'eau pour ceux qui voudront. Ok, revenons avec de l'eau. Tout à l'heure, j'ai parlé avec de l'eau. Je vais vous donner un exercice. Pour ceux qui voudront le faire. Je suis dans les psaumes actuellement. Ok. Un psaume que tout le monde connaît. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est un psaume de protection. Tu peux prier ce psaume. Ce psaume avant de dormir. 7 fois, ou 70 fois, ou 77 fois,
ou 700 fois. Le chiffre 7. Ou bien tu peux le répéter 13 fois. Là, on entre dans ce qu'on appelle la loi de la numérologie. Oui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu n'es pas obligé de lire tout le chapitre. Tu peux prendre un ou deux ou trois textes, versets qui te marquent. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut. Tu répètes ça, tu répètes ça, tu répètes ça. Pour vous qui avez peur de dormir seul là dans le noir, je ne comprends pas. Tu es une vieille maman, mais tu as peur de dormir seule. C'est compliqué. Pour vous qui avez, qui sentez toujours les présences bizarres dans la maison, vous avez peur. Pour vous, je vous donne un texte. C'est la parole déclarée. Déclarée. Vous déclarez. Et n'oubliez pas, vous pouvez le faire comme ça, mais on est à ETS. Faites-le avec votre chandelier ou devant votre chandelier. Il m'arrive des moments, je sens de méditer. Je sens que l'Esprit veut me parler, je médite. Je prends la Bible, je lis. Dieu me parle. Mais il y a des moments quand je veux la révélation. Je vous donne un secret. Il y a des moments quand je cherche certaines connaissances. J'arrête toutes les lumières de ma maison ou de mon bureau. Je mets le chandelier, je me mets à genoux. Je lis ma Bible à la lumière de mon chandelier. Je peux être là une heure, je lis. Quand je me lève de là, les révélations que j'aurai ne seront pas les mêmes que ce que j'ai eu à chercher avec la lumière artificielle. Devant votre chandelier. Tu peux aussi le déclarer dans ton seau de douche. Vous qui sentez les esprits des morts quand vous marchez là. Vous qui marchez, vous sentez que on vous poursuit, on vous cherche. Je vous donne un exercice. Allez-y pratiquer. Une semaine. Matin et soir, tu déclares. Matin et soir, tu déclares. Quand tu sors, avant de prendre ton bain, tu déclares le psaume dans ton bain. Tu te laves, tu pars. La parole t'accompagne. La parole a la capacité d'accompagner quelqu'un. Et je vais vous montrer ça peut-être demain ou après-demain. Il est possible, là où je suis là, et je l'ai fait avec les enfants de la maison. Je vous ai dit ici, si vous partez faire des choses compliquées, avant le temps, avant le mariage, celui avec qui vous allez faire ça va devenir impuissant. Ça paraît drôle, mais j'ai lancé une parole. Elle s'accomplira dans la vie des personnes qui vont oser le faire. Et c'est biblique. Non, il est possible, tu lances la parole, elle reste bloquée sur l'air. Et quand il y a des signaux pour l'activer, elle descend. Elle s'établit tel un jugement. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la parole de ce soir? Amen. Active ton micro et acclame Dieu. Acclame la parole de Dieu. N'hésite pas, active ton micro et acclame. L'honneur, la gloire et la majesté revient à Dieu seul. Amen.
Père céleste et Dieu de tous les esprits, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette parole, pour ces moments. L'honneur et la gloire, la majesté ne revient qu'à toi et à toi seul. Puisses-tu nous faire la grâce et l'honneur de garder et de pratiquer ces choses. Que l'esprit de la parole et l'esprit des, le Dieu des esprits des prophètes s'attache à tout un chacun ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ne vous déconnectez pas tant que je n'ai pas prié pour la fin. C'est la base. Nous nous voyons demain à l'heure de la prière. 3h du Sénégal, 4h du Gabon, selon que Dieu nous fera grâce. Et nous prierons pour 1 heure de temps. Il reste 8 jours dans notre programme de prière intitulé « Janvier en prière ». Et aujourd'hui, nous sommes à notre 19e jour. Nous terminons le 31 en guise d'annonce. Et après ce programme, nous allons nous reposer pour 7 jours. Et du 7 au 13 février, nous rentrerons dans un programme particulier, à savoir la spiritualité des pensées. Ne manquez pas, je me ferai un plaisir de vous parler des choses très mystiques. Ces messages sont... Il y a un lien entre tous les messages, ça se suit. La spiritualité des pensées va constituer une base. Et après cette thématique, nous parlerons sur les transactions spirituelles. Donc, si vous avez raté la spiritualité des pensées, ça va être compliqué pour vous de comprendre les transactions spirituelles. Donc, ne manquez pas ces choses. Et nous allons clôturer en beauté pour le trimestre de janvier jusqu'en mars avec le sorcier de ma famille doit mourir. Ne manquez pas, ça va être grave. Et je vous donnerai des moyens de reconnaître les sorciers, de détruire les sorciers. Si on peut vous envoyer des fusils nocturnes, vous aussi vous pouvez envoyer les fusils nocturnes. Je vais vous montrer comment on fait les fusils nocturnes. En tout cas, Dieu nous fera énormément de bien. Ne manquez pas ces choses. Et les amis, tout part de l'identité. Hein? Tout part de l'identité. Rassurez-vous, je suis un jeune homme qui a accepté Jésus-Christ une certaine année et qui a décidé de marcher avec lui. Dans mon cœur et dans mon esprit, si vous fouillez, vous verrez que c'est écrit Jésus-Christ en lettres d'or. Alors, vous êtes au Gabon, vous avez RTL Monin, vous êtes en France, vous avez un RIB, vous avez un PayPal. Vous êtes dans l'Afrique de l'Ouest, vous avez Orange Money ou Wave. Et pour d'autres, vous avez RIA également, Western Union ou MoneyGram. Après un tel enseignement, il est important de dire merci à Dieu, de sceller cette parole par une offrande. ITS, même si on passe les cultes en ligne et de bonnes manières, de toujours préparer vos offrandes, c'est important. Ayez des bonnes attitudes. Le culte en ligne n'est pas moins supérieur ou moins inférieur que le culte en présentiel. Ayez des bonnes manières. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui prennent le soin de respecter ces manières et qui se battent à avoir leur offrande, tant journalière ou hebdomadaire, parce que je crois qu'il y a des gens qui font des offrandes hebdomadaires. Que Dieu vous bénisse. Alors, je prie pour ceux qui ont leur offrande maintenant. Je déclare que le Dieu d'ITS vous bénisse, qu'il multiplie vos greniers et que rien ne manque dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reprends en disant, si vous voulez bâtir un hôtel ou envoyer une dîme et un numéro secrétarial juste en bas, prenez le soin d'écrire d'abord et de signaler bien avant. Que le Dieu d'ITS bénisse votre vie
bénisse votre mariage, bénisse votre santé, bénisse tout ce qui vous concerne dans le nom de Jésus et qu'il vous garde et vous sécurise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, Église, et on se voit demain. Que Dieu vous bénisse.